Alpha à Aigle Noir, répondez. Alpha à Aigle Noir, répondez. Aigle Noir à la base, j'écoute. Paul, nous redescendons sur Alpha. Pourquoi? Nous avons un ennemi sérieux. Nous descendions vers cette planète à une vitesse qui nous semblait normale quand nous avons été projetés à une vitesse folle. Tout comme si la gravité avait soudainement augmenté. J'ai vérifié, John. La gravité est demeurée constante. Nous n'avons rien enregistré d'autre aux instruments, commandant. Quelle que puisse être cette force, c'en est une que nous ne connaissons pas. Vous avez entendu, Paul? Entendu, mais pas compris. Notre énergie a diminué brusquement. Nous n'avons plus rien. Paul, cette fois, ça va mal. Rien ne fonctionne plus. Alpha à Aigle Noir, répondez, voulez-vous? Alpha à Aigle Noir, répondez. Leur position a été déterminée, ils se sont écrasés dans un cratère, à 160 km. Centre médical, quel est leur état physique? Trois sont en vie, Paul. Je ne reçois rien du tout du commandant Koenig. Bob, son moniteur médical ne fonctionne pas. Docteur Russell, une équipe médicale à la rampe numéro 7. Nous sommes en route. Paul, avez-vous d'autres nouvelles? Non, rien, docteur. Mais le système de communication fonctionne maintenant. Ils peuvent nous parler pour le moment. Et le commandant? Toujours le silence. Tenez-moi au courant, Paul.
Alpha à Aigle Noir, répondez Aigle Noir. Alpha à Aigle Noir, répondez Aigle Noir. Tania, vous avez la plus belle voix du monde. Paul, Aigle Noir communique. Commandant Koenig. Non, c'est Carter, Paul. Vous allez bien? Oui. Mais le commandant est gravement blessé. Faites ce que vous pouvez. L'équipe de secours est en route. Vous rentrerez dans peu de temps. Le plus vite sera le mieux, Paul. Docteur Russell. J'ai des nouvelles de Carter. Le commandant Koenig est en vie, mais blessé grièvement. Merci, Paul. Commandant Koenig. Paul! Dr. Russell! Sandra! Docteur Russell, nous arrivons à côté de vous. Ne déplacez personne avant que je n'ai fait mon examen.
sortira, Elena? Je l'ignore. Je ne peux rien faire de plus ici. Il faut les ramener à la base. Paul. Oui, Alan, allez-y. Envoyez un aigle aussi vite que possible. Nous ne pouvons bouger personne. Il faudra séparer cette section du reste de l'aigle et l'envoyer dans son état actuel à Alpha. Affirmatif. J'aimerais votre séjour ici sur Zeno, commandant Koenig. N'êtes-vous pas fatigué après cette longue marche? Ah non, vous ne rêvez pas. Tout est bien réel, je vous assure. Ceci est la planète Zeno, la plus grande planète du système solaire de Criton, à 5 millions d'années-lumière du monde Terre. Nous avons vérifié toutes les planètes dans ce secteur. Elles sont mortes. Oui, oui, bien sûr. Vos pauvres instruments disaient cela parce que j'ai ordonné que ce mensonge soit enregistré. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Pourquoi vous mentirais-je?
Vous croyez aussi que j'ai découvert votre planète dans l'espace et que vous êtes venu ici par vaisseau spatial. Et c'est exact. Je sais lire vos pensées, je sais tout ce à quoi vous songez. Nous n'avons pas d'appareil mécanique. Ce dont nous avons besoin, nous le créons avec nos cerveaux. L'esprit est maître de toutes choses. Ceci est mon domaine. Il est fait de lumière. Dehors, c'est notre ville, une parmi d'autres. Vous êtes encore sceptique. Je le comprends. Peut-être qu'un autre coup d'œil, de plus près. Ce n'est rien, commandant. Vous vous y ferez sans doute à la langue. Une ville de lumière. La lumière vit. La couleur vit également. Magnifique, non? Ah, enfin, ça vous impressionne. Et j'aimerais vous impressionner plus encore. Moi, je suis Rahan, votre hôte. Un humain comme vous, d'ailleurs. Mais je dois rêver. Non, commandant. Tout ça s'est passé sur Zeno. J'en suis responsable. Regardez vous-même. Vous êtes convaincu? Pourquoi suis-je ici? C'est l'inévitable question. Parce que... Parce que, commandant, mon père est le plus grand anthropologue de Zeno. Vous ne vous connaissez pas, excusez-moi. Vanna, puis-je te présenter le commandant Koenig? Commandant Koenig, ma fille Vanna. Que disiez-vous? En tant que savant, mon père est d'une curiosité insatiable. Il veut s'instruire auprès de vous. Je doute de pouvoir lui apprendre quoi que ce soit. Pas sur le présent. Ni même sur le futur, mais sur le passé. Je voudrais que vous vous sentiez plus à l'aise sur cette planète, plus à l'aise chez moi. Votre installation d'Alpha, j'avoue qu'elle n'existe pas réellement, ce n'est qu'une image. Mais elle vous apportera un certain réconfort. Alors je serai votre prisonnier ici? Oh non, 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 non. Un invité seulement. En permanence, c'est tout. Il est malheureux que votre espoir de vie ne soit que d'un dixième du nôtre. Je ne vois toujours pas ce que je pourrais vous apprendre. Je veux connaître votre esprit. L'esprit d'un être humain. Nos anciens livres, quoique riches en enseignements du genre, sont limités dans ce domaine. Mais vous, cher commandant Koenig, vous êtes un terrien. Bien vivant. Vous représentez ce que je cherche depuis un temps infini. Vous êtes le maillon de la chaîne. Paul, allez-y, nous sommes prêts pour la manœuvre. Bien, Alan. Quand ils auront le module, je ferai le reste d'ici. Ce sera facile. Je vous conseille plutôt de croiser les doigts.
Votre repas, commandant. On m'engraisse pour le sacrifice? Il faut que vous mangiez. Je vous suggère de vous résigner à votre situation. Vous permettez que je trouve inacceptable votre idée de la situation? Savez-vous ce que votre père a l'intention de faire? Il veut se servir de moi comme si j'étais une espèce Une espèce de quoi? D'animal? Exactement. Oui. Je sais que vos semblables se servent souvent comme ça des animaux, ouvrant leur cerveau et implantant des électrodes diverses, enregistrant leurs prouesses. Et si c'était cela que nous voulions apprendre de vous, nous aurions lu vos pensées, comme je le fais. Le principe en est exactement le même. On me garde prisonnier dans un but de recherche scientifique. Ce que votre père se propose de faire est aussi inhumain. Est-ce que les zéniths mettent le progrès au-delà du principe? Je vous assure qu'on ne vous fera aucun mal à vous. Vanna, je ne suis pas un zénith. Ce qui ne vous fait aucun mal à vous peut m'en faire à moi. Vous direz à votre père que je ferai tout pour retourner sur la planète Alpha. C'est impossible. Vous allez demeurer ici jusqu'à la fin de votre vie. Dans ce cas-là, je mourrai très jeune. Alpha à Aigle 7, tout va bien. Alan, tenez bon. Nous sommes prêts, attention. Je compte. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, 0. Inutile d'ouvrir la porte, commandant. Pour ma première expérience, je vous renvoie sur Alpha. John, ça va aller. Vous êtes sauvé. Vous êtes inconscient depuis 2 jours. Et les autres? Ben, Carter et moi, on s'en est tirés, mais... Sandra, non. Sandra? Elena a fait tout ce qu'elle a pu, mais ça n'a rien donné du tout. Tous ses efforts étaient inutiles. Cette histoire est ridicule, au fond. Et nous mourrons tous, je sais. Lentement, un par un. Il n'y a rien à faire. Allons, ne dites pas ça, Victor. Vous savez que j'aimais bien Sandra. D'un autre côté... Il nous faut vivre avec l'idée de la mort aussi. Cessez de philosopher, John. Surtout avec moi. Je ne parlais pas de Sandra. Je parlais de ma vie, de tout. Quand cesserons-nous de nous faire des illusions? Nous ne quitterons jamais cette planète. C'est notre cercueil à tous. Oui, je sais bien, nous respirons, mais nous ne vivons pas, nous ne faisons qu'exister. Moi, j'en ai assez. Je veux revivre comme un être humain. Aussi, Victor. Oh, non! Vous, non! C'est vous le plus puissant ici. Vous aimez ça, vous jouer au bon Dieu tous les jours, hein? Mais où allez-vous?
Je veux consulter Paul. Pourquoi? Écoutez, nous n'avons aucune chance ici. Si vous voulez vous suicider, ça vous regarde. Vous pouvez ouvrir un sas. Non! Je veux vivre, moi. Écoutez, ces planètes ne sont pas toutes mortes, vous savez. Il y en a sûrement une qui vit. Une au moins. Il faut y aller. Avec cet espoir, nous pourrions peut-être recommencer. Je sais bien que je ne suis pas fou. La vie n'est pas finie pour nous, John. La vie n'est pas finie. C'est une autre forme de suicide. Paul! Commandant, vous auriez dû écouter Victor. Han! Je suis un être humain et pas une bête! Pas une bête! Peur a pris la forme mystifiante d'étranges créatures, repoussantes et viles, qui lui paraissaient réelles et vivantes. Mais c'est sa violence que j'ai trouvée plus fascinante que tout. Je trouve la violence une chose terrible. Ça fait peur, oui. J'aurais été présent quand il a su que le professeur Bergman, en fait, n'était qu'une image. Je suis persuadé qu'il aurait tenté de me tuer. Je constate que nos documents n'ont rien exagéré. Meurtre, guerre, torture, violence, pire qu'on l'imagine, sont une façon de vivre pour les humains. Moi, je pense qu'il est peut-être trop dangereux. Il pourrait tuer l'un d'entre nous. Neutralisez donc son cerveau avant qu'il n'aille trop loin. Non. Je crée de fausses situations pour lui, mais ses réactions doivent être vraies. Le choix de ses gestes doit être libre, autrement le fruit de mes expériences serait pure perte. Il faut qu'il neutralise son cerveau, qu'il vainque sa violence. Nous étions quatre dans cet accident. Trois ont survécu. John. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi ou Alan ou Sandra? C'était peut-être simplement l'heure de sa mort à lui. Commandant,
Vous avez été sage de réaliser que votre ami n'était pas réel. Mais qu'est-ce qui vous l'a fait deviner? Victor n'abandonnerait jamais comme ça. Au fond, je voulais qu'il soit réel. Sinon, j'aurais compris plus tôt qu'il s'agissait d'une supercherie. Nous sommes incapables de toute supercherie. Oui, tous les savants prétendent cela. La fin justifie les moyens. Je ne sais pas ce que recherche mon père, je suis trop jeune. Mais je sais qu'il n'avait pas du tout l'intention de vous tromper. Nous, Zénith, ne ressentons aucune émotion négative. Cela nous procure la tranquillité et le bonheur. Vous voyez cependant que cela ne vient pas tout seul, ni facilement. C'est une chance. Est-ce que c'en est une? Sans connaître la haine, vous ignorez ce qu'est la joie de l'amour. Nous connaissons cette joie parce que nous savons que la haine est le fruit de la peur et nous ne craignons rien. Sauf la mort. Nous ne croyons pas à la mort, seulement à une continuité de la vie. Ainsi, votre refus de vous nourrir, cette volonté de mourir de faim, cela est incompréhensible à mes yeux. Si je devais vous contraindre à fuir ce lieu, vous enlever de force, le comprendriez-vous? Si vous vouliez demeurer ici, de votre propre gré, je pense, que vous aussi, vous le comprendriez. Quelle femme maladroite! Est-ce que c'est tellement difficile de porter un plateau de café? Ça suffit, Cano. Ce n'est qu'une bonne à rien. J'ai dit assez comme ça. Est-ce que ça va, June? Oui. Je ne veux pas de ce genre d'esclandre. Qui est-ce qui commande ici? Pas vous. Cano, tout le monde est fatigué. Et vous aussi. Paul. C'est bon, reprenez votre travail. Trois points. Ça suffit. Je dois tenter d'apprendre tout ce que je peux. C'est la seule façon d'aider l'homme, afin qu'il puisse atteindre sa vraie destinée. Mais vous ne saurez rien d'un être comme le commandant, parce que toutes ces images qu'il peut voir grâce à vous sont irréelles. Alors ses réactions, quoique sincères, sont irréelles aussi. Fouillez nos propres cerveaux, ou ceux d'autres êtres. En quête de savoir et de compréhension est une bonne chose, mais John Koenig est un être à part. C'est un individu unique. Nous ne pouvons l'exploiter. Il a le droit d'être libre comme nous. Tu voudrais peut-être qu'il reparte. Je n'en sais rien.
confus en moi. Je pensais à vous, justement. Je sais. Vous avez transmis de la musique par la pensée. Aimez-vous ça? C'est merveilleux. Mais c'est si triste. J'ignorais que la tristesse existait ici. Oh oui. Hélas. Je ne peux pas lire vos pensées. Quelle est la cause de votre peine? Je veux que vous restiez. Je veux que vous restiez avec moi. Docteur Russell. Ne le laissez pas mourir. Cette machine seule relie John à la vie. Je ne peux rien faire de plus. Cela n'a aucune sorte d'importance. Il est toujours en vie. John est déjà loin de nous. La mort a atteint son corps et son cerveau. C'est ainsi. Je dois accepter ce fait-là maintenant. Attendez. Pour nous, attendez. Plus longtemps. Regardez, il existe des merveilles qui dépassent votre imagination. Tout ce que vous auriez souhaité sur Terre, c'est tout cela que je vous offre. Un monde sans la peur. Sans la peur. Pas votre monde, vous, commandant. Oui, son monde, père. Oui, lui et moi, unis tous les deux. Mais c'est impossible. Vous disiez vous-même que l'amour est un pont entre les mondes. Seulement quand on sait le traverser. Et tu ignores encore comment. Il ne faut pas oublier que plus de 2 millions d'années d'évolution nous séparent. J'essaierai. Je viens de prendre ma décision. Je veux rester avec Vanna. Non, personne n'est insensible, mais nous sommes réalistes. Je sais que tout le monde espère que le commandant s'en remettra, mais son état affecte les gens quand même. Cano, lui, a les nerfs en boule. Et moi aussi. Les gardes ont déjà dû s'occuper de 3 bagarres. La question n'est pas là. Évidemment que la question est bien là, Alan. Il nous faut un chef, même si ce n'est que de nom. Si John vit, tout va bien. Et s'il meurt, la plupart vont s'y faire. C'est le fait de ne rien savoir qui rend tout le monde nerveux. Et qui va prendre sa place, vous? Vous, Paul? Cano? L'homme de la Lune, peut-être, hein? Koenig respire toujours. Et pendant ce temps, j'aime mieux penser qu'il est toujours le commandant. Vous êtes très belle. Je
crois qu'elle est aussi une de vos amies. Non. Non. Le commandant ne croit pas que vous soyez réel. Elle n'est au courant que de deux choses seulement. Qu'elle est ici et que vous y êtes aussi, mais elle ne sait pas pourquoi. C'est vrai, commandant. Je sais que vous avez décidé de rester ici avec elle. Père, pourquoi avoir amené Sandra ici? Vous voyez, ma fille, elle, pense que votre amie est réelle. Elle vous croit. Moi, je ne vous crois pas. Bon, très bien, commandant Koenig. Je peux en faire la preuve. Il y a mon image de Sandra. Et la vôtre. Cependant, votre image sur Alpha est mourante. Même moi, je ne saurais la soutenir en vie longtemps. Et seule l'une des deux va survivre. Le docteur Russell songe à interrompre votre système de support. Elle vous croit mort. Alors je vais lui dire... Non. Vous ne devez pas vous souvenir d'avoir vu votre commandant vivant. La décision appartient au docteur Russell. Je ne saurais influencer cette décision de quelque façon que ce soit. Et personne ne le peut. C'était bien l'image de Victor. Pourquoi pas celle de Sandra? Sandra n'est pas une image. Je comprends que vous ne croyez pas mon père, mais... ne croyez-vous pas en moi? Oui, moi je vous crois. C'est votre droit. Quel monde? Choisissez-vous alors. Viens, Vanna. Laissons-les réfléchir un moment, si tu veux bien. Il n'y a rien que nous puissions faire à présent. Il reste une chose. Voilà. Sandra vous a convaincu de retourner. Conscience moi-même de la vérité, pas parce que Sandra est ici. Je réalise que ma place est avec mes semblables, dans mon univers. J'irai avec vous. Je fais déjà partie de votre monde, tout comme vous du mien. Non, c'est pareil pour vous, Vanna. Vous êtes ici parmi votre peuple. Zeno est votre monde. Et notre union est impossible. Avec le temps, vous comprenez. Mais que ferais-je en attendant ?
En ce moment, tout ce que je comprends, c'est mon amour pour vous. Ne me quittez pas, je vous en prie. Traverser le pont séparant votre monde et le mien. Je ne sais pas comment. Par l'esprit et par le cœur. Tant que vous songerez à moi, que vous m'aimerez, vous me garderez. Je vais essayer. Je vais essayer. Et vous pensez à moi? Ne m'oubliez pas. Êtes-vous sûr? C'est évident, voyons. Non, docteur Russell. Alan, vous ne comprenez pas. Vous ne le tuerez pas. Doucement, Carter. Valez pas, Alfo. Allons, calmez-vous. Non. Sécurité, venez au centre. Sécurité, venez au centre. Je vous dis que vous ne le tuerez pas. Mes expériences aient échoué, j'ai découvert beaucoup sur l'homme après tout. Vanna aussi. Vanna était sans doute la vraie raison de ma présence ici. Peut-être oui. Toute ma gratitude vous est acquise. Je crois que je vous dois bien plus. Un peu de notre savoir? Non, c'est autre chose. Selon moi, il est plus important d'aimer que de réfléchir. L'équilibre parfait entre les deux, c'est ce qu'il faut pouvoir atteindre. Mais nos mondes ignorent toujours comment. Vous devez faire vite. Le temps s'épuise sur votre planète. Songez à l'avenir, John Koenig. J'ai été parti longtemps. Non, John.